La bonne nouvelle, c'est que je viens de terminer la collection. Et je suis vraiment allée jusqu'au bout dans les finitions et je suis vraiment super contente du résultat. Donc maintenant, je vais vous montrer ça en détail. Mais il faut d'abord que je sorte tout, que je repasse certaines choses, puis que je fasse les photos pour la boutique. Et ensuite, je vous montre ça en détail. Voilà, la collection est finalisée, les photos sont faites. Maintenant, il est temps que je vous montre la... Désolée, mes enfants sont à côté. Que je vous montre en détail la collection et ce qui vous attend sur la boutique Etsy. Alors déjà, la collection Simon, elle s'appelle Simon parce que il y a un patron de pullover enfant qui va sortir prochainement et qui s'appelle Simon, tout simplement. Donc, je suis partie de ce pullover. Au départ, j'ai vraiment eu un crush pour ces couleurs et j'ai tout de suite vu ça en color block et je me suis dit que ces couleurs là qui me plaisent énormément ensemble, il fallait que ce soit mon leitmotiv pour la collection. À un moment, j'ai brodé ceci en reprenant les couleurs du pullover et ça m'a beaucoup inspirée pour réaliser la collection. Et c'est marrant parce que c'est vraiment arrivé petit à petit et les éléments de la collection se sont imbriqués naturellement pour faire cet ensemble que j'aime beaucoup. Donc l'idée initiale, donc on est quand même, voilà. Donc Simon, c'est ça. C'est ça, Simon. Et donc l'idée initiale, c'était bien entendu de faire des sacs à projet parce que je sais que vous aimez bien. Donc j'ai fait des sacs à projet pochons comme ceci. Alors, je vous le montre non plié. Donc, je suis partie sur trois tissus. Je suis partie sur un nid d'abeille bleu canard. Un coton que j'adore, un coton imprimé. Alors, c'est des tissus Écotex. Hein. Donc, comme à mon habitude, j'utilise des matériaux éco-responsables. Ça me tient à cœur. Et donc, il y a une petite anse. Là, donc celle-là, elle est très belle. Elle est dorée. Et il y a un cordon qu'on peut resserrer comme ceci. Il y a un fond qui est rond. Voilà, qui fait 20 cm, je crois, de diamètre. Et il fait 30 cm de hauteur, ce qui fait que ça peut accueillir un projet de type pull ou gilet assez facilement, parce qu'il est quand même assez large. Voilà. Donc, vous l'avez en bleu, avec un passepoil aussi au fond. Là, je ne voulais pas montrer, mais il y a un passepoil. Vous l'avez en bleu, en plusieurs exemplaires, donc vous en aurez. Hein. Je crois que j'en ai cinq bleus. Et vous l'avez aussi en jaune, dans ce tissu aussi qui m'a inspiré. Donc un jaune moutarde pour reprendre la collection. Voilà. Il n'y a pas de poche, parce que dans les pochons, je me suis dit que c'était pas forcément pratique, parce qu'ils sont quand même bien resserrés en haut. Voilà. Et j'en profite pour vous montrer mes petites nouvelles étiquettes bobine et pelote que j'aime beaucoup. Voilà, pareil, fond rond. J'adore. Hein.
Franchement, je suis trop contente. C'est une sorte de sac que moi j'aime beaucoup. Ah oui, là, la anse, je ne vous l'ai pas montré. Elle est dorée, un peu brillante. Voilà. Donc, vous pouvez les accrocher. Et... voilà, c'est trop cool. Donc, j'ai fait des sets. J'ai fait des sacs à projet. Ensuite, j'ai fait des anneaux marqueurs. Alors, il y a toute une série d'anneaux marqueurs. J'avais très envie de refaire des anneaux marqueurs avec des perles. Donc là, on retrouve des perles d'agate et je ne sais plus les autres. Des perles d'agate et je ne sais plus. Vous verrez ça en détail sur la mini-collection. Donc j'appelle ça des perles gouttes parce que c'est une tige en fait que je tourne. Alors on a fait un point de soudure. Ça n'a pas forcément été facile pour que ça tienne. Mais normalement, si vous ne tirez pas comme... voilà, moi j'en ai beaucoup dans mon stock et ça tient vraiment bien, donc vous inquiétez pas là-dessus. Il y a un fond fleur, alors je pense que je ferai un gros plan, un fond fleur que je trouve très joli. Et voilà, bon, bref, vous les voyez, ils sont très jolis, je les aime beaucoup. Donc il y a ce type-là, ensuite il y a aussi des perles comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les perles. Il y a aussi... J'ai craqué sur des pompons. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai réussi à en avoir que 4. Donc, il n'y a qu'un seul lot de pompons... attendez, je vous les mets correctement. De pompons jaunes en fausse fourrure. J'adore. Voilà. Et il y a un marqueur repositionnable ici, un peu avec des... En fait, c'est une breloque avec des roses. C'est très fin, j'aime beaucoup. Voilà, j'en ai fait alors plusieurs avec des pompons verts. Vert foncé. Et pareil, un marqueur repositionnable dans ce lot-là. Et j'ai aussi fait des lots... donc ils sont fournis avec les avec une épingle à nourrice. Voilà. Donc j'ai fait des lots où il y a les ronds avec les roses. 4 ronds roses. Voilà. Et une pampille. Et j'ai aussi fait ça avec un repositionnable avec un pompon vert. Voilà. Bon, vous les retrouvez sur la boutique. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup. On est dans les tons de la collection. Donc, c'est chouette. Voilà. Donc, ça, c'est des anneaux marqueurs. Après les anneaux marqueurs, je suis partie sur une idée de bracelet. Désolée pour le bruit. Hop. De bracelet en perles plates. Vous m'avez vu confectionner un petit peu avec mon fils Joseph. Donc c'est des perles plates Aichi en pâte Fimo. Voilà. Donc il y a 4 tailles adultes. Une taille qui va bien à mon fils de 9 ans. Et deux tailles mini. Donc à chaque fois il y a 4 couleurs. Alors là il y en a quelques-uns où il y a 2 couleurs. Mais vous voyez le détail. Pour les adultes, il y en a 2 qui sont bicolores seulement. Et sinon, c'est comme ceci. C'est très sympa, très moderne. C'est sympa pour les ados, mais moi j'aime beaucoup aussi. Donc j'ai mis plusieurs tailles pour pouvoir faire plaisir à un plus large public. Désolée pour le bruit. Donc, ensuite, j'ai aussi fait des petites trousses plates. Que j'ai brodé avec toujours le dessin de la collection. Voilà. Les petites trousses plates, il y a 3 formats différents pour faire plaisir. Alors là, comme c'est des trousses plates, voilà, elles sont zippées. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez une petite poche comme ceci. Voilà. Donc dans ce petit tissu que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'en ai une... avec un fond plat. Donc on reprend la collection avec le nid d'abeille jaune cette fois-ci. Et là, à l'intérieur, il y a une petite poche et c'est un fond rayé noir. Un peu abeille. Voilà. Ensuite, j'ai fait
Deux sets de table avec des bordures au crochet. Je les aime beaucoup. Ils sont très grands. Voilà, j'ai mis ma petite étiquette et la bordure au crochet. Comme ceci. Avec le point de matelas pour pouvoir retrouver. Voilà, c'est très sympa. Donc là, à chaque fois, j'ai repris les fils que j'ai utilisés pour faire le pull. Donc, on reste dans la collection. J'ai également fait des lingettes avec les restes de tissu. Donc, je vais vous les montrer comme ça parce que là, vous les verrez en détail sur la boutique Etsy. Donc, il y a un format grande taille. Il y en a plusieurs avec fond jaune. Parfois, il y a des bifaces. Parfois, il y a des faces avec du tissu comme ça. Voilà. Et puis, il y a des bordures de différentes couleurs. Noir, blanc et gris. Et il y a des petites tailles aussi. Alors, pour les grandes tailles, j'ai fait des lots de 4 sur Etsy. Et pour les petites tailles, je vous laisse choisir, faire vous-même le lot. Parce que je me suis dit que ce serait plus fun. C'est au choix. Voilà. Hop. J'ai également fait... On termine. J'ai également fait des éponges. Alors là, j'ai eu une idée, en fait, parce qu'il me restait des petits bouts de nid d'abeille. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec, qui serait utile et un peu dans la lignée... éco-responsable. Et j'ai eu cette idée de faire un côté une éponge en fait pour faire la vaisselle, une éponge un côté en nid d'abeille et un côté que j'ai crocheté avec le fil Bubble Creative de Rico Design. Alors j'ai fait du noir, du jaune avec un fond bleu, j'ai fait du vert avec un fond bleu et il me restait aussi un peu de vert plus clair, donc j'en ai une qui est rayée vert foncé, vert clair avec un fond bleu. Voilà, vous pouvez les suspendre, il y a des petites accroches en cordon, des cordons qu'on retrouve d'ailleurs sur les sacs à projet. Donc on reste dans la logique. Et puis pour terminer, une nouveauté que j'ai testée pour cette collection, parce que j'avais très envie et que mon logo s'est quand même bien imposé à moi de façon naturelle, je me suis dit, il faut essayer de le faire en badge. Donc j'ai photographié en fait la petite broderie que j'ai faite et je l'ai mise en badge. Donc un badge aluminium rond, je crois que c'est 32 mm, accroche comme ça. Voilà. Le petit badge de la collection, si la collection vous a plu, ça vous plaira d'avoir le badge. Nous les tricoteurs, on adore ça. Voilà, on a fait le tour de la collection. Je vais mettre tout ça en ligne. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. J'ai adoré la faire. Je suis contente qu'elle soit terminée parce que je vais pouvoir passer à la suivante. Mais vraiment, j'ai adoré. Je suis contente. Le patron du pull va sortir. Et il y a un patron de bonnet aussi qui va sortir. Le patron du pull enfant va sortir. Il sera disponible de la taille 2 ans à 14 ans. Et ensuite, il y a aussi un patron de bonnet qui sort, qui est le bonnet Simon, toujours dans le même fil et dans le même point de côte, avec une couronne qui est plutôt sympa, avec une construction un peu originale. Et là, il est disponible en 4 tailles, en tour de tête, 50 cm jusqu'à 58 cm, ce qui correspond à peu près de 4 ans à adulte large. Voilà, donc moi je l'ai fait en plein de tailles et vous allez retrouver le patron sur Ravelry. Et puis il y aura un petit code promo le temps d'une semaine jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au dimanche prochain pour acquérir ces deux patrons. Voilà, allez on a fait le tour. Maintenant il est temps que je fasse le montage, que je publie les articles sur la boutique, que je publie les patrons sur Ravelry et que je vous publie cette petite vidéo sur YouTube. Donc je vous laisse là et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle collection. Bye bye.